J'ai changé d'angle de prise de vue parce que sinon le soleil va venir et risque d'endommager l'objectif de l'appareil photo que j'utilise pour faire les vidéos, qui est le premier prix de la gamme EOS, hein, le bas de gamme. Ça marche très bien. Vous voyez la qualité de la vidéo. Il n'y a pas besoin de demander autre chose, c'est impeccable. En photo aussi, c'est très bien. Je suis plutôt photographe, hein, professionnel, je vous dis, c'est très bien. Le premier réflexe digital EOS, c'est très bien. C'est tout bon. Oui, parce que le soleil blanc, il bousille tout. Hein. D'accord. On en reparlera. Donc on a fini sur l'histoire de l'informatique. Maintenant, on va passer à d'autres choses que vous devez savoir, les indigos. Il y a moult raisons pour lesquelles nous avons tellement besoin de vous. Nous avons besoin de vous éveillés, hein. Attention, hein. You get me? Gotcha? Il faut que vous soyez éveillés, hein. Il ne suffit pas d'être là sur la planète. Avant, oui, peut-être. Il y a 40-50 ans, il y avait certaines personnes, il suffisait qu'ils soient sur la planète pour avoir un effet. Mais puis avec les indigos, c'est terminé cette histoire. Hein. C'est fini. Hein. Non, je regarde des fois que Baka passe par là. Baka, c'est l'ours qui déambule dans le coin. Son nom, Baka. Je ne l'ai pas vu encore, mais il est là. Il est pris en vidéo spéciale de groupe d'environnement, etc. Pourquoi on a besoin de vous autant? Et vous, actifs, éveillés, agissant par des zombies du système dont j'ai parlé, ni de Facebook. Ou alors, il faut être super actif dessus, d'accord? Pas seulement poster des belles citations et se boudire les uns les autres en disant « Oh là là, que c'est beau, c'est bien, je suis d'accord, tout ça. » Juste quelques petits mots. Non, mais les indigos, vous pouvez faire mieux que ça, hein? Oh! Vous êtes des êtres hyper évolués qui viennent des étoiles. C'est la première incarnation sur Terre pour vous. Vous devez être capable d'écrire des tartines, excusez-moi, même si vous n'avez pas réussi à l'école ou au lycée, parce que c'est insupportable pour vous, c'est normal. C'est débile, c'est digne de l'asile de fous. Mais vous êtes capable d'écrire, vous êtes capable de parler, de vous exprimer, de dire des choses, de faire des dessins, de faire de la musique, de prendre des photos, de mettre des textes dessus. C'est ça qu'il faut passer. Hein, pour réveiller les gens. Parce que cette histoire des petits trucs, tout le monde il est beau, il est gentil, à passer là, un peu New Age, tout est amour, tout est lumière là. C'était bien avant ça, mais c'est périmé maintenant. Et puis ça c'est bien, mais pas à passer entre vous. À quoi ça sert de passer ce genre de choses à des gens qui sont déjà convaincus, qui connaissent ça? Ça ne sert à rien du tout. C'est se faire plaisir les uns les autres, c'est tout. Il faut passer ça sur les pages, les sites, les forums de gens qui aiment le football, de gens qui mangent de la viande, de gens qui croient que la politique c'est bien et qu'on peut faire confiance aux hommes politiques, de gens qui disent « Ah ben c'était bien parce que les guerres ça nous a permis d'être libres et nos soldats ils sont morts pour la liberté, pour la France, là, c'est le bicentenaire de 14-18, non mais n'importe quoi, là. » Mais ben oui, ben n'importe quoi, mais c'est à tout ce monde-là qu'il faut parler. Il faut parler avec ceux à qui vous êtes dans la cour du collège, du lycée, qui sont complètement endormis avec leur bouteille de Coca-Cola, là, qui s'empoisonnent chez McDo, ou chez le colonel, là, qui sont la bouffe la plus dégueulasse et chimique que vous pouvez imaginer, bourré de glutamate de sodium, etc. Mais c'est à eux qu'il faut balancer toutes ces belles citations, ces belles choses, pour les changer un peu, c'est pas entre vous. Pourquoi on a besoin tant que ça de vous, les indigos? Parce que, comme je l'ai dit avant, la masse critique du 101e singe n'a pas été atteinte.
la petite singe, je ne me rappelle plus son nom. La sanglière, la, non, celle qui a commencé, pardon, excusez-moi, celle qui a commencé à laver la patate douce. Eh bien, il faut qu'elle recommence, la petite singe, à laver la patate douce et à dire aux autres, vous avez vu, vous êtes là comme des cons, à ramasser la patate douce pleine de sable, puis vous la mangez comme ça. Vous êtes nuls, hein. Il n'y a qu'à aller la laver avant, dans un petit ruisseau, là. Elle sera meilleure à manger. Alors après, ils l'ont lavé, etc. Et puis le jour où il y a eu le singe numéro 101 qui l'a fait, tout a basculé. La conscience de masse de la population singe a basculé. Cherchez sur Internet son 101e singe. Le 101e singe, New Age, a capoté. Ça n'a pas marché. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Oui, il y a eu au début le Nouvel Âge. C'était pas mal. Il y avait de l'idée. Il y avait des leaders pas mal du tout qui ont depuis en laissé tomber en disant « Je reste plus dans ce truc-là. C'est quoi ça ?» Et à un moment donné, il y a eu le 15 août 1987 quelque chose qui s'appelait la convergence harmonique qui était une sorte de méditation globale mondiale sur un thème simple. Hein. C'était simplement pour faire une unité de conscience, de masse critique, pour attraper le singe numéro 101. Et ce jour-là, 500 millions d'humains sur la Terre ont fait la méditation en même temps. On n'était pas loin de la masse critique. Et après, ben, c'est tombé. Pour raison X, vous les trouverez toutes seules, hein, tout seul ces raisons. Hein. Le New Age a été infiltré, manipulé. On ne pouvait plus faire confiance aux activations qui ont suivi, sauf le 11-11, d'accord. Le 11-11, ouverture de la porte du 11-11, j'étais en Égypte avec d'autres leaders, conférenciers, etc. D'accord, oui. Mais après, c'était fini, terminé. Donc il faut recommencer tout ça. Le New Age, il est foutu, il est fini, c'est terminé. D'abord, il est périmé pour plein de choses. Deux, il a sans doute été créé au départ pour mettre les gens dans une direction qui était contrôlée par l'élite. Ensuite, il a été infiltré. De nombreuses personnes sont venues dedans pour l'infiltrer. Et de tellement nombreux entrepreneurs sont venus dedans faire le New Age business. C'était des gens qui, tout simplement, je disais, bon... C'est pas drôle d'être dans un boulot dans la société, dans un bureau, une entreprise. Ça a l'air bien, le New Age, là, ça a l'air rigolo. Alors moi, je vais devenir un New Age, là, je vais écrire un livre, ou faire des conférences, et puis des séminaires, tout ça. Puis voilà, je vais gagner ma vie comme ça, ça va être mon revenu, quoi. Voilà. Alors, il y en a tellement comme ça aujourd'hui qu'on oublie, allez hop, le New Age, là. Poubelle, 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 poubelle. Il n'y a plus rien à en tirer, quasiment. Je suis Anneling, j'en parle tout le temps dans mes vidéos. C'est plus rien, ça ne veut plus rien dire du tout, ça. C'est pas des vrais messages venus d'extraterrestres ou des évolués, c'est du pipeau complet. C'est les gens qui font de l'autosatisfaction, tout ça. Vous avez sans doute découvert tout ça tout seul, bien entendu, puisque vous avez le discernement d'être des étoiles. Vous savez capter immédiatement. Est-ce qu'il y a de l'amour dans ce texte-là, ou cette chose-là, ce groupe? Est-ce que c'est vraiment la conscience universelle de tout l'univers que moi je connais, ou pas? C'est tout. Vous posez vos questions, vous y répondez tout seul, vous avez la réponse. Corbeille. Alors, c'est même plus la peine d'ouvrir les mails, ou d'aller sur les forums où on parle comme ça. C'est plus la peine. On arrête. Alors voilà pourquoi on a besoin de vous. Parce qu'il n'y a plus ça maintenant. Le New Age a failli, les organisations pour la paix ont été infiltrées, les écologistes, oh ben, on n'en parle plus, hein. On parle plus, hein. Vous avez vu les réponses des écologistes sur les saloperies qui sont dans le ciel. Hein. Ah ben non, mais il n'est pas question d'en parler, de Dany, là, comme Bénédicte, Nicolas Hulot, tous les autres. Ah non, 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 c'est pas à nous, on ne doit pas en parler, il faut des études. Etc. Bon, allez, on oublie. Donc il n'y a plus personne à qui on peut faire confiance. Vous ne pouvez plus faire confiance qu'en vous-même, les indigos. Vous retrouvez, vous réunir, vous connecter. Vous êtes plusieurs centaines de millions, quand même, c'est faisable.
C'est faisable en français, parce que francophonie, il y en a quand même pas mal. En espagnol, il y en a encore plus, hein, si c'est votre langue. Et en anglais, ben, toute la planète communique en anglais sur Internet. Hein. Alors, go, go, go for it. Go les indigos. J'ai changé d'angle encore. J'essaye d'éviter la couche laiteuse, comme dit Monsieur Météo, c'est la couche chimique gris métallisée, là. Mais tant pis, on va devoir faire avec. Ce serait plus joli et plus lumineux, mais enfin, on est quand même dans ces énergies qui viennent de notre mère la Terre et de la base extraterrestre et de ces montagnes extraordinaires. Ça fait rien, on a quand même tout ça. Et puis, nos amis les sapins nous donnent quand même des ions négatifs et beaucoup de choses. C'est toujours mieux que d'être coincé dans une ville. Hein. Là, vous n'êtes pas bien dans une ville. Hein. Vous êtes bon pour devenir malade, pas possible si vous ne l'êtes pas déjà. Hein. Bon, j'ai expliqué donc. Oui, ça, oui, je vais dire un mot là. Ah oui, mais non, mais là. Il y a plein de New Age qui disent, qui m'ont dit, dans des groupes, dans des forums, même je les ai rencontrés. Hein. Ah mais nous, ça ne nous intéresse pas, on risque rien, parce que de toute façon, l'endroit où on est, on a mis une bulle de lumière, on va acheter tout au bio, et nous, on est complètement protégés, on n'a rien du tout. Ah, d'accord. 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 Parfois, en tant qu'extraterrestre incarné sur Terre, je me demande si même les gens dits évolués spirituels ne sont pas aussi dumbo, comme on dit en anglais, que les autres terriens. Les dumbo, Walt Disney, l'éléphant, le pauvre petit. Ils sont dumbo pour penser comme ça, c'est pas possible. Dumbo vient de dumb. Américain, anglais, qui veut dire simplet, idiot. Oh, mais il y a pire que ça. Oh là là. Des New Age m'ont dit. Témoin, première main. Ah oui, mais ça, c'est rien, ça. Parce que, vous savez ce que je fais, moi? Eh ben, je mets le doigt vers le ciel. Là où il y a les traînées, là. J'envoie de l'amour et de la lumière, et les traînées disparaissent. Eh ben, mon ami, d'accord. C'est pour ça que je ne vais plus tellement dans les réunions New Age, si c'est pour entendre des choses pareilles. Passons, on a fait la petite parenthèse là. Il faut des parenthèses comme ça, ça aide un peu à... Donc vous avez compris les indigos ? Qu'on a besoin de vous énormément pour faire basculer la masse critique pour un changement de paradigme sur la planète Terre, ou tout du moins dans la mesure où quelque chose de magique ne se passerait pas comme dans les contes et légendes et tous ces films, et que quand même il y aurait des moments difficiles sur la planète pour beaucoup de gens, dans plusieurs possibilités de la ligne de temps, y compris celle où nous sommes, qui est la fausse ligne de temps. Ah, mais il faut savoir tout ça. Hein. Ben, les New Age, ils vont pas vous expliquer ça en détail. Ils en ont rien à faire. Hein. Ils restent dans leur fumée de flammes violettes de Saint-Germain, etc. Puis c'est tout. Hein. Ils réfléchissent à rien d'autre. Donc même dans la mesure où quelque chose de pas drôle se passerait sur Terre, que ce soit dû aux terriens et à leurs alliances là, extraterrestres, qui ne sont pas de la lumière, mais de l'ombre, ou bien si dans le mouvement de tous les cycles galactiques normaux, hein, c'est scientifique, hein, c'est pas du pipeau, hein, c'est pas du village de Bugarache, en décembre 2012, hein. Non, c'est pas ça. C'est scientifique, hein,
le système solaire qui tourne dans la galaxie qui tourne, et tout ça. C'est scientifique, hein. Toutes les planètes du système solaire sont en train de chauffer en ce moment, en énergie, ça monte. Donc, en supposant que ce mouvement galactique, qui était prévu par les sages mayas encore, qui se sont exprimés, hein, à l'époque de ce fameux décembre 2012, c'est un changement de cycle normal et ça passe à une fréquence supérieure, comme une ellipse un peu, comme ça, une spirale qui monte. Dans la mesure où, dans cette spirale qui monte, au niveau mouvement galactique du système solaire et de la galaxie, si quelque chose se passe un peu plus durement que prévu, parce qu'il y a plusieurs possibilités, eh bien, n'importe. La masse critique est hyper importante, réalisée par vous, les indigos. Parce que vous allez réveiller les gens, vous allez faire basculer leur conscience. Et si leur conscience bascule vers la vraie conscience du 1, qui est la conscience galactique de l'univers, conscience d'un univers 1, qui est bien au-dessus que tous ces groupes de la paix, Rainbow et tout ça, New Age. Nous sommes un, la planète, nous sommes un. Nous sommes une planète une. Oui. Mais ce n'est pas encore la conscience de cinquième dimension, ça. C'est en dessous. Désolé, c'est en dessous. Parce que ça veut dire, on ne s'occupe pas de l'univers, c'est juste la planète Terre, c'est tout. Non. C'est la conscience 1 globale. Donc si les indigos arrivent à faire passer une masse de sous-population en conscience du 1, le vrai, la conscience de cinquième dimension, ce sera plus facile pour tous les gens qui ont passé cette conscience à passer ce changement de cycle. De quelque manière que ce changement de cycle se déroulera, qu'importe, ça fait rien. Même s'il y a besoin d'une évacuation local d'un certain nombre d'humains qui auront cette conscience, il est important de faire passer le maximum de gens de la Terre à cette conscience de cinquième dimension. Et les indigos, vous l'avez en vous, et vous êtes capable de la passer aux gens de la planète. Maintenant, pour ce qui est du reste, là, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème là. Non, le New Age a complètement faux en disant: ah mais tout le monde, toute la planète, tout le monde va passer dans la nouvelle Terre, la nouvelle ère, la nouvelle Terre merveilleuse. Oui, comme j'ai déjà dit, pipeau, c'est du pipeau. Par contre, la planète elle-même, celle qu'on appelle ici Mother Earth, Maman Gaïa, qui dans l'univers, la planète s'appelle Saras, qui est un nom plus approprié, ça veut dire la planète des chagrins. Mais quoi qu'il en soit, si on met de côté les terriens, hein, pour une minute là, on va les mettre de côté. Le reste, mais c'est un joyau de l'univers, cette planète. Pour ça qu'il y a tant d'extraterrestres qui viennent ici, pour essayer d'aider, ou pour essayer de piller. Et là déjà, cette conscience 1 de cinquième dimension, cette planète est prête à aller dans une fréquence de cinquième dimension plus haute, où il y aura une planète de cinquième dimension. Je l'explique dans d'autres vidéos, très en détail. Je vous renvoie, regardez toutes mes vidéos de Golden Star Seed Report et faites passer l'info, amenez beaucoup de gens pour les regarder. Le reste, il n'y a aucun problème. Le royaume minéral, le royaume végétal, ben vous faites tout ça les indigos, hein. Vous faites tout ça, hein. Vous faites des bisous aux arbres, hein. Parce que vous savez que les arbres, toute la nature, mais est prêt, n'attend que ça, de passer à la fréquence au-dessus de cinquième dimension. Les animaux n'en parlons pas. Tous les animaux de la planète sont prêts à passer dans la cinquième dimension. Vous avez vu toutes les manifestations d'amour qui se passent entre les animaux, même des animaux qui soi-disant sont les uns véganes, les autres carnivores. Vous avez vu cette manifestation d'amour qui se passe. Tout ça est prêt à passer à la cinquième dimension. Il n'y a que les terriens qui sont derniers de la classe près du radiateur, là, qui sont bouchés à l'aimerie. Et à qui vous devez parler, vous les indigos?
Et voilà. Donc, maintenant, je l'ai dit, les syndicats, vous ne vous occupez pas de ce qui a été donné ici. Tout ce qui est occulte, ésotérique, poubelle, c'est bon pour le compost. Tous les enseignements de New Age. Mais c'est bon pour le compost, tout ça. En plus, la plupart de ces enseignements qui ont été créés au 19e siècle, milieu du 20e, c'est la théorie luciférienne, Blavatsky, Bailey et compagnie. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc tous ces trucs-là, religieux, ésotériques, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'aller en Inde et de passer des heures en position de lotus. Vous avez tout ça en vous. Vous avez besoin de rien du tout, que de vous-même et de sortir tout ce que vous avez. Donc les indigos, il n'y a qu'un seul truc à leur dire. Faites vous-même. Do on your own, comme on dit en anglais. On your own. Doing on my own. Mine a key.